On va juste se rendre compte qu'il n'y a peut-être pas autant d'utilisateurs que les réseaux sociaux nous le font croire. Bon, ça, on le sait déjà. Ça, on le sait déjà. Hein. Quand tu vois... enfin, nous, en tant qu'influenceurs, en tout cas, sur Twitter, on le sait déjà. On est tous, moi le premier, mais on l'est tous en tant qu'influenceurs, notamment dans le streaming. Comme c'est souvent Twitter, notre principal réseau social, on est tous matrixés par la bulle Twitter et on le sait très bien. Et pourtant, on continue de croire que c'est la majorité des gens qui s'expriment. Et on est cons, mais on... C'est un truc qui est difficile de s'enlever de la tête, tu vois. C'est ce que j'expliquais quand il y avait eu l'affaire The Event en début juillet, tu vois. Où en gros je disais, mais vous savez, j'aurais pu aussi ne pas réagir, laisser Good Planet, faire le The Event comme ça, m'en battre les couilles, fermer Twitter, désinstaller le truc. Et en fait, le The Event, il aurait été pareil. Ça aurait été la même chose. Mais je décide de réagir parce qu'il y avait des critiques légitimes, machin et tout, machin. Mais j'aurais pu faire comme si de rien n'était, totalement ignorer le problème. Et ça aurait été le même événement. Il n'y aurait eu aucun problème. Et ça, j'en suis convaincu. Et tu le vois avec plein de signaux. Moi, je l'ai vu avec plein de gens qui sont pas du tout sur Twitter, qui m'en parlaient IRL et qui me disaient « Ah, le trailer The Event, j'ai vu, c'est top et tout. » Alors qu'on était en plein gigadrama et tout. Je voyais aussi le trailer qui avait 99% de pouces verts en même temps que l'annonce et en même temps que Twitter commençait à s'enflammer et tout. En fait, c'est vraiment... faut pas oublier que c'est une bulle. Ce qui veut pas dire qu'il faut l'ignorer, mais faut pas oublier que c'en est une. En fait, c'est vraiment... pour moi, c'était vraiment ce truc-là. C'est une bulle, on le sait, faut faire gaffe, faut pas surréagir, et je pense pas qu'on ait surréagi, je regrette pas du tout ce qu'on a fait. Mais voilà. Au contraire, beaucoup de potes m'en ont parlé pour avoir les détails. Ouais, parce qu'après, non, je parle de avant que les médias s'en emparent. Parce qu'évidemment, après, quand tu commences à communiquer, faire les trucs, bah, y a des médias qui entendent parler du truc, qui sont en mode « Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, ils vont voir, ils se renseignent et tout. Mais avant que les grands médias en parlent ou quoi, bah... Zéro, zéro, zéro. Twitter, j'ai l'impression que c'est en feu un jour sur deux. Et je pense que je suis sympa. Toutes les deux heures avec mémoire de deux heures. Ouais, c'est vrai.